Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui un shop tour express où je présente l'ensemble des machines qui composent mon atelier. Donc on commence la présentation par la scie anglaise radiale Metabo KGS 254M qu'on peut trouver environ dans les 350 euros. C'est une des premières machines que j'ai achetées. Je l'avais achetée en GSB. Euh, j'ai privilégié du coup la 254 par rapport à la, à la taille du disque au lieu de la 216. C'est une machine relativement simple d'utilisation, avec euh, une multitude de réglages, un réglage de profondeur, réglage d'angle, qui n'est pas très précis. C'est un petit peu le souci de ce genre de machine, c'est qu'il faut constamment euh, vérifier l'éclairage avec une équerre. Quoi. Du coup, euh, on est constamment en train de la régler, dérégler, réajuster, donc euh, il y a une petite perte de temps à chaque fois pour effectuer ce, ce genre de réglage. L'aspiration, bon, c'est un peu le bémol, du coup, même si vous connectez un aspirateur à la sortie dédiée, eh ben, vous allez quand même en mettre partout parce que ça fait une poussière de dingue. Donc c'est vraiment le point faible de ces machines. Je crois que les gens même qui ont des Festool ou des produits très haut de gamme ont le même problème en fait. C'est-à-dire que par rapport à la conception de, de la machine, ben, ça en met partout. quoi. Donc là, vous pourrissez l'atelier en 5 minutes. Donc c'est pour ça que c'est pas mal aussi de, de, de faire comme moi, j'ai mis des trépieds, et enfin j'ai acheté un trépied, et quand j'ai beaucoup de, de débit à faire, je, je la mets dehors, quand il, quand il fait beau, comme ça, ça évite de, de vraiment salir l'atelier à l'extrême. On voit ici un autre bémol, c'est la, la place que prend la machine. En fait quand elle est dépliée, vous voyez, elle a un empattement d'environ 1m10, donc ce qui est énorme, donc euh, ça prend énormément de place, surtout que moi j'en ai pas trop. Et je pense qu'à terme je vais investir et j'achèterai euh, en remplacement une machine avec une, un bras qui permet de, de, de justement de limiter l'encombrement et, et d'avoir un peu plus de dégagement euh, dans l'atelier. Comme j'ai opté pour une lame à 254 mm, ce qui permet d'avoir 10 cm de... De coupe utile quoi, donc euh, moi j'ai coupé des rondins de, de 10 euh, très facilement. Donc c'est vraiment euh, si vous optez pour ce genre de machine, quelle qu'elle soit, privilégiez la taille de la lame quoi. Prenez le, le plus que vous pouvez prendre par rapport à votre budget, bien sûr, c'est toujours le même problème. Si vous prenez cette machine en 216, elle est très très bien, il n'y a pas de souci, mais euh, optez plutôt pour une taille de disque supérieure. Bon, il y a quelques options il y a un laser et une lumière qui ont marché trois jours. Donc le bilan de cette metabo KGS 254m, moi ce que j'ai bien aimé c'est que c'est relativement stable, c'est ultra puissant, la prise en main est ultra facile, euh, le prix, je trouvais que le prix était quand même assez raisonnable pour une, une 254. Euh, bien, bien sûr voilà donc du coup la lame de 254 mm et la sécurité parce que je trouve que si on met pas les doigts euh, là où il faut pas les mettre, euh, la machine est relativement sécurisante parce qu'elle est très stable. Euh, ce que j'ai moins aimé, c'est la précision. C'est pas très précis parce qu'il faut constamment euh, faire les réglages, donc ça peut être un peu sous au bout d'un moment. L'aspiration, bon, c'est pas dédié à cette machine particulièrement, mais l'aspiration est catastrophique. Du coup, euh, c'est vous en mettez partout. Le laser et l'éclairage qui ont marché euh, pas longtemps. En plus, le laser était mal réglé. Enfin, bref. En plus, euh, enfin, pff. du coup, je l'ai jamais trop utilisé parce que je l'avais pas, mais je pense que ça sert à rien. Euh, autre point négatif que j'aime pas, c'est l'encombrement qui est juste... Euh, est, ça, c'est le pire. On s'en rend pas forcément compte quand on achète ce type de machine, mais c'est le pire. Et euh, le bruit. Ouais, je trouve que ça fait énormément de bruit. Donc euh, casque obligatoire, lunettes obligatoires. Il euh, faut bien se protéger quand on utilise ce, ce genre de machine. Donc j'ai mis 3 étoiles sur 5. Maintenant, on passe à la personne à colonne Parkside PTBM 500ES qui coûte environ 80 euros. Donc là, on va aller très très vite. Parce que vous allez voir, euh, le, les initiales de cette machine sont bien, sont bien trouvées. Hein. Donc euh, là déjà, on peut voir que c'est cassé. Parce que c'est un plastique euh, très très bas de gamme. Donc euh, bon, c'est cassé, je sais même pas comment j'ai fait. Donc la référence, PTBM500. Euh, je déconseille totalement l'achat de cette machine. Alors, euh, tout simplement parce que ça sert à rien dû à sa faible puissance. Là on voit le petit côté positif, c'est le, les lasers qui sont... C'est bien fait en fait, le réglage avec la petite molette assez rigide, ça permet de toujours calibrer le laser de façon très précise. Ça c'est vraiment le truc pas trop mal. Mais alors tout le reste, bon c'est plastique sur plastique, c'est pas de vis qui visent pas et qui, qui tiennent pas, des molettes en plastique mal placées, euh, pff, une précision catastrophique... Et euh, le pire, ben, la puissance quoi. Donc euh, là, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de puissance. Donc en fait, si vous voulez percer du beurre, euh, vous pouvez l'acheter sans problème. Mais dès vous, que vous voulez percer d'autres matériaux, euh, bah, c'est pas la peine. Vous avez le jeu de courroie qui vous permet d'augmenter la vitesse de rotation. Mais comme il n'y a pas de coupe et comme il n'y a pas de puissance, vous aurez beau diminuer ou augmenter. Euh, bah, vous ne pourrez pas percer en fait. Donc euh, si vous percez des trous de 5 et de 4 et de 2, bon ben bah, forcément vous allez y arriver. Mais euh, dès l'instant où vous voulez percer des trous ou faire des incrustations et tout, bon bah c'est c'est même pas la peine d'essayer. Donc là j'ai fait un petit jeu de mots qui est qui est qui est ce qu'il est quoi, c'est que la Parkside PTBM, bah PTBM en fait ça veut dire pas très bonne machine. Donc euh, si vous avez 80 euros, bah, vous les gardez et, euh, et vous investissez 80 euros dans une perceuse à colonne un peu plus performante, sachant que j'ai regardé un peu sur le net parce que moi bon, bah, je veux je veux la changer et euh, c'est pas les machines les plus accessibles. C'est-à-dire qu'il y a des machines de presque haut de gamme en fait. Euh, c'est pas, ça fait pas partie des machines les plus chères quoi. Donc le, ce que je vous conseille, même si le budget est toujours relatif vis-à-vis -vis de tout le monde en fait, on n'a pas tous le même budget et puis 80 euros c'est pas cher pour moi et puis c'est peut-être cher pour vous. Enfin c'est toujours pareil, mais euh, c'est vraiment 80 euros de perdu. Donc n'achetez pas cette machine, même si par ça des fois ils font des trucs pas trop mal. Vous les gardez vos 80 euros et vous investissez dans une perceuse à colonne un peu plus chère et de, dedans vous mettez vos 80 euros et puis vous rajoutez la différence. Des fois il vaut mieux attendre un petit peu et, et acheter vraiment quelque chose un peu plus quali. Mon affûteuse Holzmann euh, MTY870 euh, qu'on peut trouver environ dans les 300-350 euros. Donc euh, je crois que c'est la dernière machine que j'ai achetée. Euh, donc euh, j'ai énormément de lames parce que j'ai une scie circulaire euh, plongeante j'ai la scie sur table, j'ai ce qu'on a vu en amont, le, la scie à onglet radial donc euh, comme moi je travaillais très très souvent des panneaux euh, je travaillais pas forcément du bois euh, classique, je travaille toujours des panneaux de bois donc il y a toujours de la colle etc etc donc ça désaffûte beaucoup plus vite les lames et j'étais toujours en train d'amener mes lames au bout d'un certain moment euh, chez la Futeur. Donc il euh, faut savoir que chez moi la Futeur est assez loin, il est à 40 km, c'est pas du tout mon parcours euh, habituel, c'est un peu à l'opposé. Euh, donc je l'ai laissé une à deux semaines, ça c'est pas trop grave. Et il faut compter environ... Bon le prix est évolutif selon le nombre de dents. Mais il faut compter dans les 25 euros. Euh, on va dire 25 euros la lame, quoi. Donc. Euh, bah, j'ai fait un petit calcul entre la proximité, le prix, l'aspect la, pratique, et du coup j'ai investi dans cette petite machine, et j'en suis complètement satisfait. Donc pour le bilan, bah, j'ai mis 4 étoiles parce que moi j'aime bien cette machine. Les points que j'aime bien, c'est la stabilité, le prix, euh, l'économie réalisée, comme je vous ai expliqué, le bruit, parce que c'est relativement silencieux en fait, je pensais que ça allait faire un bruit de fou, mais en fait pas du tout. Euh, le point que j'aime pas, mais en même temps, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est super lourd. Franchement, cette machine elle est super lourde et c'est normal qu'elle soit lourde parce qu'il faut qu'elle soit ultra stable donc euh, l'un ne va pas sans l'autre. Et comme c'est pas une machine où on a un endroit dédié dans l'atelier, dans que c'est quelque chose que je pose dans un coin et que je, je manipule souvent pour faire les affûtages, c'est vraiment histoire de mettre un point négatif, mais c'en est pas un en fait parce qu'il est, il est obligatoire quoi. Cette machine ne peut pas être légère sinon euh, elle serait pas stable et. Euh, et du coup, euh, c'est bon. Voilà, j'ai mis un point négatif, mais ça n'est pas vraiment un quoi. La Bosch Pro GTS 10XC, qu'on trouve sur le sur Internet dans les 800, 850 euros, 900 euros à peu près. Fourchette de prix assez large, selon les promos du, du, du moment. Donc euh, bah là, c'est superbe machine. Euh, j'ai acheté ça, et là, directement, on rentre dans un autre monde. On rentre réellement dans le monde du travail du bois de façon précise, de façon... Euh pas professionnel mais euh, on commence à pouvoir faire des choses euh, relativement intéressantes donc euh, j'adore vraiment vraiment cette machine je l'ai associé du coup à, à mon établi je l'ai incrusté à l'intérieur pour me permettre d'avoir vraiment une, une polyvalence de dingue donc là on peut voir qu'elle est qu'elle a un tiroir coulissant euh, que l'on peut manipuler avec cette petite cette petite manette du coup ça permet de faire des coupes d'angle, ça permet de couper des, des petits bouts de bois. Euh, ce, il y a un petit jeu donc il y a un petit réglage à faire. Bon bah c'est ça va quoi, c'est vraiment le petit point négatif on va dire de cette machine. C'est que ce, 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 ce tiroir coulissant a, a, a un petit jeu. Après donc on peut régler la hauteur d'âme qui est 254 mm aussi, donc ce qui est relativement intéressant, ça permet des coupes assez importantes. On peut ensuite régler l'angle. Donc, euh, de façon assez précise, il y a un petit réglage à effectuer. Et si vous rajoutez euh, un inclinomètre numérique comme celui-ci là, qui je vous mettrai le lien dans la description, ça, ça coûte que dalle et euh, c'est assez précis et c'est vachement pratique pour faire des découpes euh, vraiment vraiment précises. J'ai jamais été déçu avec ce genre de ce genre de petit accessoire. Ensuite, la table est super grande, donc. Euh, sans l'extension, on peut couper des, des panneaux jusqu'à 33 cm. Après, vous, on bloque, la, on bloque le, le guide à 33 cm. Et on, après, on a une extension de, de table. Comme on peut voir ici, clac. Et euh, du coup, ça permet d'augmenter la, la table jusqu'à euh, 64 cm. Donc, ce qui est, euh, pour ce type de machine, ce qui est franchement énorme. C'est aussi ce qui m'a fait un peu acheter celle-ci. Euh, par rapport à tous ces petits détails euh, assez intéressants, surtout que c'est pas le genre de machine qu'on achète tous les jours. Moi, c'est ma machine la plus chère euh, que j'ai dans l'atelier. Et après, euh, comme vous pouvez voir dans cette vidéo, là, j'ai fait un chariot de coupe, donc ça permet de vraiment d'exploiter au maximum euh, ce, ce, ce type d'appareil. Vous pouvez faire des coupes en série euh, avec des dimensions que euh, vous pouvez reporter. Donc euh, franchement c'est super intéressant. On peut également faire, euh, j'ai créé un chariot vertical, vous pouvez voir aussi la vidéo. Et euh, bah là ça permet encore de, de faire d'autres créations avec ce type de chariot, toujours avec la même machine, sans forcément rajouter un budget extraordinaire parce que bon c'est juste des, des panneaux de MDF quoi, donc euh, ça va pas chercher bien loin. Et ça vous permet aussi de le fait d'avoir une coupe verticale, d'augmenter votre angle de coupe. Euh, Puisque du coup, si vous inclinez, vous pouvez aller de à plus de 50 degrés jusqu'à jusqu'à une une coupe plus plus ouverte quoi. Donc c'est intéressant. Et là, j'avais fait un petit assemblage rapide dans cette vidéo là pour pour montrer aussi l'utilité de ce ce genre de d'accessoire. Le bilan, le bilan de cette machine, bah j'ai mis 5 étoiles parce que je franchement, je c'est ma machine préférée, c'est celle-ci qui m'a fait rentrer dans un autre monde au niveau de du de La menuiserie et du travail du bois. Euh... Les points positifs, bon, la puissance, la lame de 254 mm, la table XL plus l'extension, le chariot intégré et l'aspiration, parce que franchement, le système d'aspiration est plutôt pas mal fait. Pour voir moi, je n'ai pas un aspirateur ultra puissant, ça aspire super bien, il n'y a pas vraiment de. Ça en met pas partout, quoi. Donc c'est relativement intéressant. Les points négatifs, j'ai mis le prix, ça c'est toujours le grand débat. Est-ce que pour ce type de machine, 800 euros, c'est cher ou c'est pas cher moi je pense que c'est raisonnable, mais ça reste un prix euh, élevé, donc bon j'ai mis le prix. Surtout pour euh, du bricolage amateur, on va dire. Euh, point négatif, la protection de l'âme, que j'ai mis deux fois, mais que je trouve pas du tout pratique. Ben, franchement, c'est le gros, gros mémol. En plus, il euh, n'y a pas d'aspiration dessus. Donc euh, franchement, ça. Je trouve que c'est pas. C'est pas pratique du tout. Et le petit jeu dans le chariot coulissant euh, que j'ai eu au début, j'ai fait un petit réglage que j'ai. J'ai limité un peu, mais bon, c'est vrai que je me suis dit, euh, au début j'étais un peu pas déçu, mais je me suis dit, ouais, à ce prix-là, euh, le jeu qu'il y a dans le chariot, c'est juste abusé, mais en fait non, c'est un petit réglage, et puis bon, euh, ça, ça, ça le fait plutôt pas mal, et j'utilise de moins en moins le chariot, du coup, comme j'ai créé euh, mon propre chariot de coupe. Donc euh, là, franchement, je ne suis pas du genre à, à dire faut acheter ou pas acheter, mais si vous voulez une scie sur table de qualité, euh, à un prix... Euh, pff, assez raisonnable et quelque chose qui va certainement faire des années vous pouvez vous lancer et acheter cette Bosch Pro GTS 10 XC sans problème franchement c'est un c'est du super matos maintenant on passe à ma petite rameau d'ego de chez McAllister, la MPT 1500 que l'on trouve généralement en GSB Casto Brico dans les environs de 250 euros donc là on est vraiment dans l'entrée de gamme premier prix euh, moi, je voulais investir, euh, pas forcément investir du coup, donc je voulais acheter euh, une rabot d'ego pour commencer à, à travailler avec, utiliser, voir comment on pouvait faire pour raboter, dégauchir euh, une planche. Et je, quand j'ai commencé à faire le tour, j'ai vu que les prix étaient assez fous. Euh, J'étais parti sur une Dewalt, euh, la première modèle là, qui coûte dans les 1500 euros, et je me suis dit que c'était un petit peu abusé. Donc euh, avant on allait se faire la main sur une petite machine comme ça et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille euh, si vous voulez vraiment essayer euh, n'investissez investis, pas euh, pardon des sommes folles non plus euh, dans, dans des machines comme ça commencez déjà avec du premier prix si ça vous plaît on vous, après on pourra investir euh, dans des machines un peu plus supérieures et là c'est ce qui se passe du coup euh, donc je me rends compte que la machine était quand même assez limitée mais euh, je suis pas déçu de mon achat quoi donc c'est une machine assez simple d'utilisation il euh, y a une petite manipulation à faire avec le système d'aspiration pour passer en mode euh, raboteuse euh, au mode euh, dégauchisseuse. Euh, ce qui se fait en 2-3 minutes quand on a pris le coup de main. C'est plutôt. Enfin, c'est pas, pas une perte de temps. Hein. Après, si on passe constamment de l'un à l'autre, ça peut peut-être devenir pénible. Mais euh, quand on s'organise dans son travail, euh, c'est pas. Moi, ça me dérange pas en tout cas. J'avais donc fabriqué ce petit meuble pour, euh, pour la poser dessus. Auquel j'ai rajouté des roulettes, c'est des questions qu'on m'a posées, qu'on m'a dit que c'était plus pratique avec des roulettes, et en effet j'avais rajouté très rapidement des roulettes pour le déplacer. Donc là il y a des petits réglages, là en mode dégo, donc on peut régler, là en mode raboteuse également il y a le petit réglage. Donc euh, c'est une machine qui fait bien le taf pour euh, vraiment du, de l'amateur. quoi. Euh, bon, elle est limitée forcément par sa taille, c'est-à-dire son avantage et son inconvénient c'est le même, c'est la dimension, quoi. c'est-à-dire c'est un avantage parce que vous pouvez la mettre dans l'atelier, dans un petit coin. Va pas prendre de place et l'inconvénient également, c'est que les tables sont toutes petites, la largeur de travail est toute petite, donc vous serez forcément limité euh, dans votre travail euh, si vous voulez des, si vous voulez raboter ou dégauchir des, des pièces énormes. Mais moi, pour le peu que je fais euh, en termes de, de rabot, dégo, de bois classique, euh, franchement, c'est top. Et si vous faites de la palette ou des trucs comme ça, bon là, ça suffit largement. Donc, ce que j'ai aimé dans cette machine, bien sûr, c'est le prix, qui, je crois que c'est une des moins chères. C'est un modèle euh, L'esthétique, la, la carcasse de la machine, c'est un modèle qu'on voit euh, très souvent de toutes les couleurs dans plein de marques. Et euh, je suis incapable de savoir, je me suis pas forcément intéressé. Mais euh, est-ce que c'est les mêmes ou pas J'en sais rien. Donc il euh, y a plein de marques qui prennent cette base, qui doit être d'une base, euh, ça doit c'est certainement du chinois quoi, et euh, qui font des modèles. Alors est-ce que de, à l'intérieur c'est le même moteur Est-ce que c'est les mêmes euh, lames Enfin euh, est-ce euh, que c'est Je sais pas. Je suis incapable de vous le dire. Mais je pense que de tous ces modèles, la Macalister, c'est la moins chère. Donc c'est pour ça que ce qui m'a plu, c'est le prix. La taille. Du coup, parce que dans un, dans un petit atelier, elle se met dans un coin. Et franchement, c'est top. Euh, bonne première machine, oui. Bah, comme moi, j'avais jamais fait. Du coup, ça m'a permis d'apprendre tout doucement euh, sans, sans que ça me coûte trop cher finalement. Mais c'est pareil, c'est un peu comme euh, la radiale. C'est un produit que... Si je continue à travailler le bois, je, je changerai. Ce qui m'a. Ce que j'ai moins aimé, on va dire, c'est la qualité des matériaux. Donc, euh, tout ce qui est visserie, roulement, euh, vis sans fin, euh, bon, c'est pas. Il y a du jeu, c'est pas terrible. Euh... Là, ce que je disais, son avantage et son inconvénient. Donc, la, la dimension de la table. C'est-à-dire que c'est très limité en largeur, donc on ne peut pas faire des grosses pièces. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on est limité, mais bon, on le sait à l'avance. Donc, on a été étudier notre projet faire en plusieurs parties, enfin, on s'adapte. Après, le, le, le but c'est de s'adapter à nos machines, quoi. Donc, euh, faut pas, faut pas entreprendre des trucs si jamais on n'a pas les machines adaptées, bien sûr. Et euh, la puissance, parce que forcément, il faut passer par petites couches, c'est-à-dire qu'il faut enlever, il faut raboter ou dégauchir des petites surfaces. N'importe, selon la nature du bois, même du bois dur ou du bois tendre, même du bois tendre, c'est préférable de faire par petites passes pour euh, pas, euh, pas, pour pour être en adéquation en fait finalement avec la, la capacité et la puissance de la machine. Mais c'est pareil, c'est une machine pour commencer que je pourrais conseiller sans problème. Alors ici, on, va, on a bientôt terminé, on passe à la défonceuse Parkside, que j'avais payé 39,90€ et à laquelle j'ai dédié une vidéo parce que je l'ai mise sous table. Euh, je l'ai mise dans ce shop tour des machines, même si c'est de l'électroportatif donc techniquement c'est pas une machine mais comme je l'ai mis sous table du coup pour moi c'est une machine maintenant c'est-à-dire que je ne peux plus la bouger quoi et c'est pas mal franchement donc je l'ai jamais utilisé euh, en électroportatif l'ai toujours utilisé euh, sous ma table alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont eu des problèmes de chauffe on m'a dit il y en a eu qui ont eu des problèmes de que la machine se dérégler lors de l'utilisation euh, c'est pour ça que moi j'avais laissé les ressorts en fait pour que ça reste euh, en pression et que ça ça bouge moins moi j'ai pas eu ce problème là j'avais également créé du coup euh, le guide de défonceuse, qui franchement c'est aussi c'est top. Donc euh, moi sur cette machine là en fait j'ai pas eu de souci. J'ai payé ça 40 euros. Franchement j'en suis très content. J'ai pas encore vu trop les limites euh, de la machine. J'ai pas utilisé les fraises qui sont données avec. J'ai utilisé les miennes qui sont un peu c'est des fraises Bosch. C'est pas non plus foufou, mais c'est un peu plus performant. Je pense que les, les, les fraises d'origine. Et euh, si vous voulez regarder la vidéo, si vous voulez voir la vidéo de la création de la... comment je l'ai incrustée dans la table et aussi du, du guide de défonceuse, vous pouvez aller voir ces vidéos sont disponibles. Et vous rendrez plus compte parce que là, en parlant de 2 minutes, c'est pas facile de, de tout expliquer. Mais je voulais la mettre dans mes machines parce que je trouvais qu'elle avait, elle avait bien sa place et puis que je l'utilise très souvent. Donc c'est normal qu'elle soit là. Le bilan, euh, j'ai mis 3 étoiles. Euh, parce que bon, j'ai un peu dévié son utilisation techniquement. Donc, euh, si on, si j'utilise une machine dédiée à, à une défonceuse sous table pure, elle sera bien sûr bien, meilleure, bien, bien plus performante, mais aussi bien plus chère. Donc, euh, ce que j'ai bien aimé, bien sûr, c'est le prix et euh, la multitude d'accessoires fournis. C'est vrai que si vous achetez ce produit pour 40 euros pour débuter euh, avec une défonceuse, c'est top parce qu'il y a tout dedans, il y a les guides. Il y a les fraises, donc franchement, pff, là honnêtement Parkside, autant la, la, la personne de la colonne vous avez compris qu'il faut la laisser dans son carton dans le rayon, mais celle-ci, ce, ce produit-là franchement vous pouvez l'acheter. Le point négatif, ce que j'ai pas aimé et qui vraiment me doute bien qu'à un moment donné ça va pas le faire, c'est le système de blocage de la fraise. Alors c'est un petit bouton en plastique qui est vraiment bas de gamme. Et euh, là, je pense qu'ils ont un peu craqué au niveau du, de la conception, c'est-à-dire qu'ils auraient dû faire un truc beaucoup plus robuste parce que c'est vraiment une des pièces sur laquelle on appuie très souvent en fait parce qu'avec une défonceuse on est toujours en train de changer les fraises. Et, euh, et d'avoir mis un truc aussi pourri, franchement, c'est pas terrible. Alors, je pense que ça, ça va casser. Ça, c'est sûr qu'à un moment donné, ça, ça, c'est fait, ça, ça va rester dans les doigts. Mais bon, euh, voilà, c'est pas grave. Je veux dire, pour l'instant, ça fonctionne, donc je peux pas me plaindre. Ça, ça fait le job et euh, donc c'est pour ça voilà que je, je voulais la mettre dans cette présentation. Et donc pour finir ce shop tour des machines, je suis obligé de présenter ce petit aspirateur qui, qui en fait est relié, enfin que je relie plutôt parce qu'il n'est pas relié euh, toujours à toutes les machines. J'ai pas de système particulier d'aspiration, mais que, que je relie systématiquement aux machines que j'utilise. Donc euh, ce qui se passe, c'est que quand j'avais fait la vidéo euh, du système Cyclone, euh, on avait pu voir un, Festool, euh, un aspirateur Festool dans cette vidéo. Euh, cet aspirateur Festool, je l'ai toujours bien sûr, et il est dédié à mon électroportatif. J'essaierai de faire un shop tour sur l'électroportatif que j'ai. Du coup, celui-ci, il est dédié parce que c'est plus facile par rapport au connectique, etc. etc. Et il est plus performant. Donc euh, là, j'en ai vraiment besoin. En... Je l'utilise vraiment en aspirateur pur. Par contre, pour les machines, j'ai mis un système Cyclone parce qu'il y a plus de, plus de gros copeaux par exemple sur la, sur la rabot Dego enfin il y a beaucoup plus de matière donc euh, j'ai fait un système parallèle de cyclone et du coup j'ai pas voulu foutre un aspirateur euh, hyper cher quoi, parce que ça sert à rien en fait c'est pour ça que je l'ai mis ici c'est aussi pour vous donner un conseil c'est à dire que quand vous, achetez un, quand vous montez un système cyclone ça sert à rien d'avoir un aspirateur de dingue, là j'ai pris euh, celui-ci, je crois que même que j'aurais pu prendre euh, celui d'en dessous quoi parce qu'à l'intérieur, il est neuf. C'est-à-dire que je l'ouvre à l'intérieur, le sac, il est, il est vide, il n'y a rien dedans. Tout est, tout est dans, le, dans le cyclone, en fait. Donc c'est pour ça que là, c'est pareil. Lorsqu'on cumule un cyclone avec un aspirateur, ça ne sert à rien d'être un aspirateur de dingue. Celui-ci, fait, par exemple, fait très bien l'affaire. Donc le bilan, j'ai mis 3 étoiles parce que ce n'est pas un aspirateur. Si jamais je l'utilisais un aspirateur pur, je pense qu'il n'est pas dingue. Mais euh, là, euh, avec mon système, forcément, ça fait le job. Donc euh, le prix est super, la disponibilité parce que c'est pareil, c'est du Macallister, c'est du truc que vous trouvez en GSB, vous partez tout à l'heure avec votre voiture, vous revenez avec. Le déclenchement automatique, bon ça c'est bien, mais y en a, bon, quasiment tout le monde le fait, je pense. Même tous les aspirateurs maintenant le font. C'est-à-dire que vous vous dédiez, vous branchez euh, une prise dessus d'un appareil électroportatif, quand vous appuyez dessus, forcément ça va déclencher l'aspirateur. Et donc il est largement suffisant avec un système cyclone. Le parti que j'ai moins aimé c'est que les bacs en plastique avec les clapets en plastique pour la fixation du couvercle c'est vraiment ça c'est pareil, c'est ultra bas de gamme. Et là c'est pareil, c'est dommage parce que c'est vraiment pour des économies, pour économiser 20 centimes, parce qu'ils auraient mis des poignées ou des petits trucs métalliques, je pense que c'était beaucoup mieux. Mais bon après ça c'est pas grave. Moi je le laisse dans un coin, je le bouge pas, mais c'est vrai que si vous vouliez le bouger, je pense que c'est pas terrible. Et voilà, ce shop tour est terminé, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé de faire quelque chose de simple et de ne pas trop prendre la tête en faisant cette vidéo. Je ne l'ai pas tourné dans mon atelier, j'ai fait des petites, des petites images et j'ai tourné en voix off parce que pour moi, par rapport au montage, c'était plus simple et il euh, y avait moins de bruit aussi. Donc voilà, euh, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt. N'hésitez pas à vous mettre des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Et euh, portez-vous bien, à la prochaine.